مشتركي صبورانيت اليوم ان شاء الله باش نصلحوا سيري ديكزيرسيس على جينيراليتي سور لي فونكسيون دونك تابعوني باش نهبط كلك فيديو في جوج بعضهم باش نصلح فيها السيري هذه دونك انا طاب باش نديكم بالليكزيرسيس بالليكزيرسيس دونك في ليكزيرسيس نيميرو 1 اون فا ايتوديي لونسومبل دو ديفينيسيون اي ايتوديي لا باريتي دي فونكسيون دونك في ليكزيرسيس نيميرو 2 عندي اون فونكسيون اون فا ايتوديي دونك اون فا سيت فونكسيون اي اون فا تراسي سا كورب ريبريزونتاتيف دونك باش نحاول نصلح لكم في الفيديو هذا لي دو زيكزيرسيس الاولانيين وانسي دي سويت اوكي دونك نبدا بالكوريكسيون تاع ليكزيرسيس نيميرو 1 J'enfile l'exercice numéro 1. Atteigne quelques fonctions où il t'a le domaine de définition terme et étudier la parité. Donc, nous avons la fonction l'oulanie f de x égale x au carré moins 2 valeur absolue de x. Donc, le domaine de définition de cette fonction au champ df égale à tout r. C'est un polynôme de degré 2 et des valeurs absolues. Donc, la parité de cette fonction champ dit x appartenant à r. Moins x, bien sûr, je suppose appartenant à R. Donc, x appartenant à R moins x appartenant à R, f de moins x égale moins x au carré plus 2, valeur absolue de moins x, qui est égal à x au carré plus 2, valeur absolue de x. Donc, cette fonction est une fonction paire. Voilà. À la fonction, les barres. G de x égale x à la puissance 3 sur x au carré moins 1. Donc, domaine de définition, champ et condition, on y a dit, il faut que x au carré moins 1, x au carré moins 1 différent de 0. Donc, l'x non les matrices différent de 1 et de moins 1. Donc, x différent de moins 1. Et 1. Donc, le domaine de définition théorique de cette fonction, c'est R privé de moins 1 et 1. Femme. Donc, on va étudier la parité de G de X. Donc, on va calculer G de moins X. G de moins X égale moins X à la puissance 3 sur moins X au carré plus 1. Donc, est égal à moins X à la puissance 3 sur X au carré plus 1. Donc, g de moins x égale moins g de x. Donc, cette fonction est une fonction impaire. Ok. Tada la fonction, il va aller l'h de x. Donc, à quoi est égal h de x? H de x égale racine de x au carré moins 1. Donc, je vais toujours le domaine de définition de cette fonction. Il se met que les tartes racine de pi supérieur ou égal à 0. Donc, je vais toujours ou égal à 0, ou négatif, ou positif, ou les parties positives. Donc, x au carré moins 1 égale 0, je m'en attends. X égale moins 1, ou elle x égale à 1. Donc, j'ai normalement un petit tableau de signes. On fait le moins 1, on fait le 1. Ok, ça nous le fait 0. On dit x moins l'infini plus l'infini. Ou l'éné, x au carré moins 1. Donc, je vais faire le signe de A. Il y a plus, l'éné moins ou l'éné plus. Donc, je vais les intervalles. Je vais faire bien sûr. Je vais faire l'intervalle là. Je vais faire l'intervalle là. Tu vois? Donc, le domaine de définition de h de x, dh égale moins l'infini moins 1. Union 1 plus l'infini. Mais quand on a le 1, on a le domaine de sacre. Donc, on va étudier la parité de h de x. Donc, bien sûr, pour x appartenant à h de x, moins x appartenant à h de x. Alors, quoi est égal à h de moins x? Égal racine de moins x au carré moins 1, qui est égal à racine de x au carré moins 1, donc qui est égal à h de x. Donc la fonction t égale à l'aîné, c'est une fonction paire. Voilà, tout simplement. Ok? T'as de l'autre fonction, il y a le cas de x égale à 2x moins x à la puissance 3 sur x au carré moins 2, valeur absolue de x. Donc la fonction k de x égale 2x moins x à la puissance 3 sur x au carré moins 2 moins valeur absolue de 2x. Donc, la condition T, il y a des différents
de 0. Donc, je vais faire pour x appartenant à r plus ou je vais pour x appartenant à r moins. Donc, pour x appartenant à r plus, je vais passer le r taille ou nous allons faire l'intervalle واحد. Donc, pour x appartenant à r plus, je vais faire un x au carré moins 2x est différent de 0. Donc, il y a x différent de 0 ou x différent de 2. Et donc, pour x appartenant à l'r moins, kif kif, x au carré moins 2x différent de 0, je m'en tamata x, il y a différent de 0 ou x, il y a différent de moins 2. Donc, domaine de définition k, donc dk égale à r privé de 0 ou le moins 2 ou 2. Ok? Voilà. Ok, tout simplement. Donc, on va étudier la parité de k de x. Tout simplement, moins x, bien sûr, elle est appartenant au domaine de définition de k. Donc, je vais dire k de moins x. Quoi égale k de moins x égale à 2 moins x moins moins x à la puissance 3 sur, sur moins x au carré moins 2, valeur absolue de 2 de moins x. Donc, égale, l'énée, je vais dire, moins 2x. L'énée, moins x à la puissance 3, il y a moins x à la puissance 3. Donc, on dit moins ou moins, je te dis plus, x à la puissance 3. L'énée, je vais dire, moins x au carré, il y a bien x au carré. Valeur absolue de moins x, il y a bien valeur absolue de x. Donc, moins 2, valeur absolue de x. Donc, je vais aller à l'énée, je vais mettre un signe moins le bas. Moins 2x, moins x à la puissance 3. Donc, x au carré moins valeur absolue de 2x. Moins k de x. Donc, est égal à moins k de x. Donc, cette fonction est bien une fonction impaire. Donc, je vais vous l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. Soit la fonction f définie par f de x égale à valeur absolue de x moins 2 plus 2, valeur absolue de x plus 2, moins x moins 4. Question l'ouline est montrée que f est une fonction affine par intervalle. Je vois ta fonction affine. Donc, je vois ta affine par intervalle. Donc, une fonction affine, c'est f de x égale à x plus b. Et je vois une fonction affine. Donc, affine par intervalle, je vais mettre tout intervalle, donc fonction قسم quelques intervalles, ou à chaque intervalle, fonction est écrite sous la forme ax plus b. Donc, nous allons avoir la fonction terme. Donc, exercice numéro 2. Donc, question numéro 1. Nous allons avoir la fonction terme f de x égale valeur absolue de x moins 2 plus 2, valeur absolue de x plus 2, moins x, moins 4. Elle change, je vais faire ici. Je vais essayer de la valeur absolue de x. X plus 2 ou x moins 2. Tu vois? Donc, je peux aller à dire. Je peux aller à dire, la valeur absolue est égale à 0, égale à 2. Ou la valeur absolue est définie, égale à 0, égale à moins 2. Donc, je vais aller à la valeur absolue de l'unique, je vais faire. Donc, x moins 2, ça nullifie 2, hein? قبلها دونك قبلها هذه كيفاش تكون باغ اكزومبل باش تكون بيان سور باش تكون نيجاتيف هكا ولا في بالنسبه للاكس موان 2 دونك سانيول في 2 قبلها الا نيجاتيف وبعدها الا بوزيتيف دونك الفالور ابسولو دو اكس موان 2 كيفاش تكتب بوزك لهنا نيجاتيف شنو باش نعمل باش ندخل على سيني موان باش تولي موان اكس موان 2 لهنا بوزيتيف باش تبقى هي بيدها اكس موان 2 فهمتوا ولا علاش على خاطر الفالور ابسولي دو اكس ايغال ا اكس في البارتي بوزيتيف و ايغال موانز اكس في البارتي نيجاتيف فهمنا طب باش نجي نحل الفالور ابسولي دو اكس بلس 2 ب دونك الفالور ابسولي دو اكس بلس 2 سانولي في الموان 2 فوالا اكس بلس 2 قبلها الي دونك سانولي في الموان 2 دونك قبلها كيفاش تكون الفالور ابسولي دو اكس بلس 2 valeur absolue de x plus 2, donc elle est négative, ou elle est positive.
x moins 2, x plus 2. Donc, valeur absolue de x plus 2. L'année, je vais vous dire moins x plus 2. Ou l'année, je vais x plus 2. Voilà. Donc, base, je vais vous dire. بعد باش نجي نحطهم الكل في تابلو واحد دونك باش نحط الفونكسيون تاعي اف دو اكس في تابلو واحد باش تولي لا فونكسيون باش تطيحها فيها البارتي فالور معناها ماعرفش باش تكتب فيها فالور ابسولي باش تنحي الفالور ابسولي في الفونكسيون تاعي تعال نحطها الكل في تابلو واحد عندي هذا الاكس هذه هي فالور ابسولي دو اكس موان دو هذه فالور ابسولي دو اكس بلس دو فوالا وهذه الاف دو اكس نتاعي Donc, on a f de x quoi égal, faut combien f de x égale la valeur absolue de x moins 2 plus 2, valeur absolue de x plus 2 moins x moins 4. Donc, je vais dire, moins l'infini plus l'infini. Donc, on a double x moins 2, on a s'annule, il fait 2. X moins 2. Donc, ou x plus 2 s'annule, il fait moins 2. Voilà. دونك هذه الاولاني كيفاش باش تكتب الاولاني باش تكتب ما يسعني اللي في 2 قبلها نيجاتيف دونك موان اكس بلس 2 موان اكس بلس 2 ولهنا باش تولي اكس موان 2 تبقى كيف ما هي نبدا بهذه موان اكس موان 2 ولهنا اكس بلس 2 و اكس بلس 2 دونك توا باش نجي نحط الاف دو اكس شنو عندي انا لهنا في الانترفال هذا عندي اكس موان 2 اكس موان 2 ولت موان اكس بلس 2 دونك باش نجي نوريكم كيفاش عملت في الانترفال هنا في الانترفال موان لانفيني موان دو دونك شنو عندي هنا في الانترفال موان لانفيني موان دو عندي ولد اف دو اكس ايكال لهنا موان اكس بلس دو ولهنا بلس دو فالور ابسولو دو اكس بلس دو معناتها بلس دو فوا هذي بلس دو فوا موان اكس موان دو موان اكس موان 4 نحلها هذه كل جو تروف ايكال موان 4 اكس موان 6 دونك لهنا باش تولي لي موان 4 اكس موان 6 انسي دو سويت لهنا كيف كيف جو تروف 2 ولهنا جو تروف 2 اكس موان 2 فهمنا دونك هاكا قسمتها انا الفونكسيون تاعي سور 3 انترفال شنو باش نكتب توا تولي اف دو اكس égal. Change toi les f de x. Moins 4x moins 2 si, bien sûr, x appartenant le moins l'infini moins 2. 2 si x appartenant le moins 2, 2. Et 2x moins 2 si x appartenant le 2 plus l'infini. Cette fonction, je vais, est une fonction affine par intervalle. L'année a dit droite, représentation graphique. L'année a dit constante 2, et bien une droite. Ou l'année a dit kif kif, une représentation graphique droite. Ok, attends, fait question les bâtards. On va représenter f de x, nous dit de l'arbre de bigdé qui fait une fonction affine par intervalle. L'année change tout l'année. Fait le moins 2 ou 2, bien sûr, l'année change f de moins 2 ou l'année change f de 2. Ah, c'est bon, f de moins 2 quoi égal, f de 2 quoi égal, on fait tout. Donc, f de moins 2, hey, moins 2 moins 2, donc, valeur absolue de moins 2 moins 2, la valeur absolue de moins 4, c'est 4, plus 0 moins moins 2, donc plus 2 moins 4, donc l'année je trouve 2. Ou l'année kif kif je trouve 2. Voilà. Pas de question les bâtards. Donc, je nomme la représentation graphique de la fonction intérieure. Donc, je dis, une fonction qu'on selon trois intervalles. L'intervalle moins l'infini moins 2, qui fait que je l'intervalle moins l'infini moins 2, donc f de x égale moins 4x moins 6, fait l'intervalle moins l'infini moins 2. Ben, qu'est-ce que je nomme la représentation? Bien sûr, c'est une droite de pente moins 4. Donc, je vais savoir tout simplement, j'ai quelques valeurs, fait le moins l'infini moins 2. Mon droite, j'ai au moins deux valeurs x. Donc, à tout niveau, deux valeurs, fait le moins l'infini moins 2. Donc, par exemple, j'ai moins l'infini moins 2, maintenant, j'ai la valeur moins 2. Bon, j'ai moins 3.
R moins 3, quoi t'égale f de moins 3? On a x de moins 3, je peux te aller en dire. Moins 4 fois moins 3, on a 12. 12 moins 6, 12 moins 6, 6. Donc, pour x égale à moins 3, les y égale à 6. 1, 4, 5, 6. Donc, à peu près, on dit le point. Voilà. Donc, il est le point l'oulani. On dit, bien sûr, f de moins 2. F de moins 2, c'est 2. Donc, on dit f de moins 2, il est 2. Donc, il faut 2 points, il faut que je saoule la courbe de l'année. Donc, il est la courbe de droite de l'année. Fait l'intervalle moins 2, 2, champ f de x égale à 2. Donc, fait l'intervalle moins 2, 2, au moins 2, 2. Donc, f de x égale à 2, je m'attends à 2. Donc, c'est une droite parallèle l'axe des x. Au fil de l'intervalle 2 plus l'infini, f de x égale 2x moins 2. Exemple, f de 3. Donc, 2 fois 3, 6. 6 moins 2, 4. Donc, f de 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, exemple, f de 3. Donc, f de 3 égale à 4. On met bien les deux valeurs à droite. Donc, je n'en relâche la fonction héréditaire, CF, et bien, c'est une fonction affine par intervalle. Ok? Voilà. Donc, là, on dit une droite affine, une droite donc, de pente moins 4. Là, on dit une droite y égale à 2. Ou là, on dit kif-kif, une droite 2x moins 2. Ok? Question de l'écran est résoudre graphiquement, donc question numéro 3, résoudre graphiquement f de x égale à 1. Donc je m'attends f de x égale à 1. J'ai une seule f de x égale à 1. Ah ou f de x égale à 1. Et d'abord f de x égale à 1. Je dis f de x égale à 1. F de x égale à 1 ne coupe pas la courbe. Mais il tâche la courbe à ta point. Donc f de x égale à 1, tu verras? N'admet aucune solution. N'admet aucune solution.